Avec cette nouvelle vidéo, je veux expliquer aux joueurs l'importance du travail individuel, précis et méthodique que je réalise lors de mes camps ou de mes cours individuels. Ces séances, beaucoup plus productives pour le joueur, sont réalisées en petits groupes de 4 maximum. Ce jour-là, à Lyon, avec Mathilde et Ryan, deux joueurs de niveau national, nous avons travaillé seulement quelques points spécifiques du 1 contre 1. Dans cette vidéo, nous ne parlerons que de la vitesse d'appui lors du crossover et la coordination de ce mouvement pour sa bonne réalisation. Le crossover est une arme redoutable, mais encore faut-il la maîtriser. Dans toute la réalisation, le joueur doit être bas, protéger avec son bras et son corps le ballon, regarder le cercle, attaquer le défenseur avec l'épaule, savoir doser parfois la vitesse d'exécution. Nous voyons ici les problèmes de coordination et de vitesse de changement d'appui lors du passage de la balle d'une main à l'autre. 90% des joueurs pensent que le crossover est uniquement un problème de dextérité dribble. Mais en réalité, la vitesse des pieds et la rotation du buste est aussi importante dans la réalisation, car le but est de battre le défenseur. Je fais réaliser de nombreux exercices et situations différentes, comme ici, afin d'améliorer la vitesse balle en main. L'ensemble de la gestuelle est importante, la protection de balle avec le bras et le corps sont déterminantes. La réalisation de ces enchaînements doit être faite des deux mains, dans chaque couloir de 1 contre 1, ce qui fait de nombreuses possibilités. Une fois le bon mouvement maîtrisé, il faut répéter et répéter encore à pleine vitesse afin d'être parfait puis d'enchaîner sur l'ensemble des différents tirs. Voilà, c'était Coach David Bonnel. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à cliquer sur le logo YouTube pour vous abonner.